Bonjour, nous voilà à nouveau sur cuisinenissoise.fr. Je vais vous proposer une petite recette extrêmement simple et rapide à faire, les rougets de roche accompagnés de courgettes sautées à l'origan. Nous allons commencer par préparer les courgettes. Il faut prendre des courgettes de Nice, type violon, ou comme je vous les ai montrées sur ce film, des courgettes Ligure. Les deux variétés sont extrêmement tendres, surtout quand elles sont très fraîches, et cuisent très très rapidement. Pour les faire cuire, on va les détailler en petites rondelles, et on va les faire sauter dans un petit peu d'huile d'olive, ça les poivrer. Ça cuit en 2-3 minutes, c'est extrêmement tendre et ça cuit très très facilement. On va les assaisonner et les parfumer avec un brin d'origan frais. Si vous n'en avez pas, vous prendrez un petit peu de thym ou même une gousse d'ail non épluchée que l'on retirera en fin de cuisson. Voilà, un petit peu d'origan. On va mettre tout ça dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et les faire sauter tranquillement. Pendant ce temps, j'aurai nettoyé mes rougets, enlevé les écailles. On peut vider l'intérieur ou au contraire garder le foie, c'est au goût de chacun. On va les éponger sur du papier absorbant, les fariner légèrement et les mettre à frire dans une huile très chaude, 170 degrés environ. Ça cuit très vite là aussi, on a des poissons très frais, bien fermes, 2-3 minutes de chaque côté, en les retournant délicatement à mi-cuisson. On va se préparer un petit papier absorbant pour les éponger après cuisson. Alors ne vous inquiétez pas, les rougets c'est très facile à manger. Il suffit de les prendre avec les doigts et de délicatement mordre dedans pour détacher les filets avec les dents. Ça se mange avec les doigts. Voilà nos rougets qui sont un peu épongés. La recette est terminée. Je remets les courgettes à réchauffer doucement. Il ne reste plus qu'à dresser le plat. Les courgettes ont cuit en 2-3 minutes. Alors on va assaisonner les rougets avec un petit peu de sel de Guérande, une petite feuille de basilic, un tour de moulin à poivre et un peu d'huile d'olive pour faire briller. Tiens, j'ai oublié d'ajouter un quartier de citron sur l'assiette. C'était les petits rougets de roche accompagnés de courgettes sautées à l'origan. Bienvenue sur Cuisine Niçoise, une chaîne YouTube.